Can I taste your juice? So thank you very much for being here today. We also have on our stage with us today Dimitris Agrafiotis. Yes, and you are American. You sound Greek, but you are American. So thank you very much for being here, Dimitris. And you are the executive director of the Tennessee Smoke-Free Association. Right, so you'll be, of course, talking about the states and the state market. Thank you very much for being here. We also have Phil Scheck. Welcome, Phil. On peut venir. And you represent today the whole of vape. It's this same type of show around the vape, but in Germany. Thank you very much for being here. Donc, Phil, il représente the whole of vape. C'est à peu près l'équivalent d'un expo, mais aux États-Unis. À côté de Phil, il y a Roberto Fernandez. Bienvenue, Roberto. Alors, vous avez une boutique à Nantes, la VAP de Lille, mais vous êtes aussi là, et un peu plus là aujourd'hui, parce que vous êtes également adhérent de la SI2V. Voilà, donc association française, vous en parlerez, syndicat français de la VAP. À côté de vous, nous avons Panos Panagiotopoulos. Was I correct? Kind of, kind of. Excuse my Greek. I'm not an expert. You represent GetVap. It's the Greek association for the traders of vaping products. Voilà, donc l'association grecque concernée par la VAP. And sitting next to you, we have Mose Giacobello. And you represent VAP Italy. Once again, same type of show, but in Italy. And to lead the conversation, pour diriger ces débats, notre bien-aimé, reconnu, Jacques Lewezek est avec nous. Merci beaucoup, Jacques, pour faire venir. Jacques, vous dirigez, vous avez créé Hamza Glass, organisme de formation certifié pour les professionnels de la VAP. Voilà, alors, Jacques, je sais que vous avez plein de questions. I know you have lots of questions for our guest today. I give you the microphone. Please try to stick to 40-45 minutes of conversation and then we will give you the microphone. Il y aura évidemment un temps de questions-réponses après. Jacques, la parole est à toi. So, now, our special guests. Thanks. Before we get started, seriously, I want to apologize for the irresponsible and unethical and, in my opinion, criminal behavior of the U.S. government towards tobacco harm reduction and vaping. I also want to apologize for the damage that my government has done to all of you and to everybody that's sitting here for the last decade in Europe promoting tobacco harm reduction and trying to improve public health. And one swipe of the news, it took away all the hard work that you guys done here for the last decade. So this is not the first time that the US government has tried to do this to vaping. It started 4 or 5 years ago with popcorn lung. They tried, they failed. They tried again with formaldehyde to eliminate the industry, and they failed. They tried with battery explosions a couple years ago, and they failed. Then they started taxing products in individual states, and they failed. This action from the tainted cannabis carts, which it's not cannabis or THC that's bad, but it's the additive that they had put in these cannabis carts, was the perfect vehicle that not only the government, but big corporate profits, big pharmaceutical companies, big tobacco companies, all grabbed onto to limit our industry. And it happened very quickly. We didn't see it coming. And the domino effect has, of course, affected the tobacco harm reduction movement worldwide. So, you know, living in the US, seeing the damage that it's done,
We're estimating right now in America there's 100 vape shops going out of business every day. Every day. These are small operations, passionate vapers like us that started their business to help people quit smoking, that all of a sudden they're being bankrupt and they're losing their families, and a lot of people are staying without a job. Do you have an idea of how many vape shops there are in the... Yeah, we're estimating in the United States there are around 10,000 vape shops. Okay, so Phil vient juste de dire qu'il y a à peu près 10 000 boutiques de vape aux États-Unis, et qu'en ce moment-là, 100 boutiques ferment chaque jour à cause de ce qui se passe aux États-Unis. And it's also causing an international domino effect, because a lot of the US companies exported their product, you know, across the world. I mean, aside from Jack Daniels and Levi's, you know, we don't have really much else to offer to the world. But liquid was one of these products that was desired across, you know, the planet for vapors. And the products that they're producing there, because they have to lay off people, they're closing their businesses, that's affecting the supply in an international market as well, too. Oui, et le fait que des entreprises américaines qui faisaient des liquides, par exemple, vont fermer, eh bien, ça va aussi affecter, bien évidemment, le marché mondial. Just a couple of days ago, the FDA made an announcement that finally said that the common denominator that they're finding in the lung illness cases is a tainted THC or cannabis. I think THC is not the right word. Cannabis carts that we're seeing in the market. Unfortunately, the news did not report it. And I know a lot of times we talk about fake news, this is a big word that we all use, but in actuality, the reporters in America are simply reporting whatever the government tells them. And if the government tells them vaping and e-cigarettes cause lung illnesses, this is exactly what the reporters are going to put out there. So I think it's our job, people that have been in this, we built this industry, you know, people like me and Phil and Phil and this Phil and this Phil. You know, we've been in this for 10 years, we've built this industry, and we have never felt more let down by our government for doing this. So it's time for us to unite. This is the time for all of us, all the countries and all the vapors, to do what we need to really spend our money on is a global PR. We need to have a communications firm to be able to go out there and combat these bad news media stories that we're seeing. Unfortunately, consumers are so susceptible to the news that they see on the media. It's time for the truth, because we're saying the truth, scientifically backed, it's time for the truth to make the mainstream media circuit. You know what's really funny about this, and what's really criminal about this? That the product that is causing the illnesses is not banned. It's already illegal in America. And not regulated. And it's not regulated. So the government not only is deterring smokers from trying vaping, but the people that are getting sick will continue to get sick because they have not addressed the problem that's actually killing people in America. And to me, one day, maybe 10, 20 years from now, I know that we all are on the right side of history, but it's unfortunate that today, what the US government is doing will cause more death, and that's criminal in my opinion. Just global data if you want, just some numbers since everybody said. Fine. We're estimating the United States open vapor industry is about a $4 billion industry per year. This is the figures that we had last year. That does not include Juul and closed pod systems. That can be tracked differently, and that's not what I represent anyway. But I think from the open vapor space, the independent vape shop, which is the most important retail outlet for products, is dying. Because we consider the vape shop to be the support, the community for a customer. It's something they cannot get in a C-store or a tobacco store. So from the 10,000 vape shops that we've had last year estimated, we believe by the end of the year, we're gonna see a dramatic, even 50% increase of a brick and mortar retail store, which is very detrimental to educating on what the product is. So we'll have to wait and see what the new data is gonna show. I hope one day that we can sue the government in America and at least get some money back to compensate for these people that lost their jobs. Just one thing if I can ask, sorry, I'm talking too much, I apologize to the panel, but this is very, very important. This industry has done a lot of stupid mistakes. In America, we had very bad labeling, very bad marketing, we lowered nicotine levels, you go to the vape shops, you find 3 milligram, it doesn't help. We've done a lot of stupid mistakes, but we have never done anything like the US government that we vote to protect the public health. Never have this industry has done something so criminal as
as this. So whatever, everything that we've done in the past does not compare to what is happening right now with the US government in America. Thank you very much, Phil. Sorry. That's okay. Thank you, Dimitri. Thank you. Yeah, it's more a commentary than a question. I will try to shorten. She said that you should not excuse yourself for the U.S. government or so on. It's not just the U.S. It's a global action. It happens everywhere, and she said, well, even here, we have the tobacco industry that is entering here. It's entering the market everywhere with cheap product, or at least trying to get a grip. We have the example of Greece and Italy here with the taxes that push people towards eat not burn the product and so on. And there's so many instances that have an impact and that want to get grip on the smokers, whatever the way it is, that well, vaping industry is in a bad situation anywhere. So just to answer, and I wish you could translate this. You know, for me and Phil, this seeing companies like Blue and RTR in a vape show like this is disheartening. Because we built this industry. YouTube, ECF, forums, people that DIY, we were around before these guys were, okay? And I understand that they have now a less harm product on the market. But guess what? They can sell the alternative. So if vaping goes away, they can still sell cigarettes. What are we gonna do? So if you're serious about tobacco harm reduction, if Blue and Vuse is serious about tobacco harm reduction, guess what? They should stop selling cigarettes tomorrow. Oui, bonjour. Pour vous répondre, moi je m'appelle Xavier Brangevi et je travaille chez British American Tobacco et c'est nous qui commercialisons Vape. Donc je vais vous répondre très franchement sur nos intentions et ce sur quoi on travaille. Nous, on a dépensé plus de 5 milliards de livres. On est une grosse boîte, on a énormément d'argent pour dépenser en R&D. Et donc 5 milliards en recherche et développement. On rachète des boîtes. Donc c'est pas pour tuer le marché. Nous, on n'a qu'un objectif, c'est de faire grossir la catégorie et de travailler en ce sens. Moi, mon job, c'est d'aller voir des parlementaires, d'aller voir des journalistes, d'avoir des rendez-vous, d'aller voir les autorités de santé et de leur expliquer en quoi la cigarette électronique aujourd'hui elle répond à des enjeux santé publique. Et on a un savoir-faire là-dedans. Vous pouvez dire qu'on est des méchants, on vend des clubs, c'est vrai, on vend des cigarettes aussi. Mais on a un savoir-faire pour aller voir les autorités de santé et tenter de les convaincre qu'il y a un deal à faire et qu'on peut aller vers davantage de risques réduits pour le consommateur. Moi, c'est mon quotidien. Donc, je veux bien que vous disiez on est là pour enfermer les gens dans la cigarette. Moi, c'est pas ce que je fais au quotidien et c'est pas ce pourquoi j'ai été recruté. Et aujourd'hui, je vois des parlementaires tous les jours. Et c'est la direction vers laquelle on va. Alors oui, on veut un marché qui soit plus réglementé. Oui, on veut plus de responsabilité de la part des acteurs, mais parce qu'on considère que si on n'est pas plus responsable, alors on n'y arrivera pas. Alors j'ai oublié de traduire la fin de ce qu'avait dit Phil, et ça je vous l'adresse. Si vous voulez vraiment aller sur la réduction du risque et faire des produits qui vont éviter à des gens de mourir, arrêtez tout simplement de vendre des cigarettes. Oh, I want I want the translation. je veux dire juste une chose, c'est que votre industrie a tué 100 millions de personnes au XXe siècle. L'OMS attend que vous en tuiez 1 milliard au XXIe. Et maintenant, osez faire un tel numéro de prolifération, moi ça me laisse sans voix. Sans voix.
La seule chose qui vous intéresse, c'est l'argent. Vous devriez cacher là-bas derrière, ne rien dire du tout, être modeste. Ça me terrifie. Ça me terrifie. C'est honteux. C'est honteux. Je voudrais bien aussi On n'est pas responsable de 100 millions de morts. On est responsable de beaucoup plus que ça. Beaucoup plus que ça. Plus que toutes les guerres mondiales réunies au XXe siècle. Tous. Et on le sait. Alors moi, je peux arrêter de produire des cigarettes. Ok. Est-ce que les gens, ils vont arrêter de fumer parce qu'on arrête de produire des cigarettes? Si on leur propose des substitutions qui marchent, oui. Et c'est ce sur quoi on travaille. Et aujourd'hui, on continue à gagner de l'argent sur la cigarette. Moi, mon salaire, il n'est pas payé par le vapotage. Il est payé par la cigarette combustible. Mais tous les profits qu'on fait sur la cigarette combustible, et il en reste, bien sûr, on les réinvestit dans ce qu'on appelle ces nouvelles catégories de produits. Et moi, très honnêtement, si je peux vendre des produits qui ne vont pas tuer la moitié de mes consommateurs, je serai le premier content. Mais je crois qu'il est complètement illusoire de décréter l'arrêt de la production de cigarettes. Les mecs, ils vont aller s'acheter des clubs ailleurs. Le marché chinois, ils n'ont rien à foutre de la réduction des risques. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc moi, je veux bien qu'on se fasse plaisir en disant « Ouais, j'arrête de vendre des cigarettes. » Est-ce que ça va régler le problème? Est-ce que si BAT, est-ce que si Philippe Maurice, demain, en France, arrête de vendre des cigarettes, est-ce qu'il y aura moins de fumeurs? Non, il n'y en aura pas moins. Il y aura moins de fumeurs si on est capable de leur proposer les produits de cigarettes électroniques, notamment, à risque réduit et qui satisfassent le consommateur. Et si on arrive à convaincre les autorités de santé que c'est une vraie solution. Alors peut-être que c'est hyper cynique, c'est vrai. Peut-être qu'il n'y a que l'argent qui nous intéresse. Ok, c'est vrai. Ouais, il n'y a que l'argent. Admettons. Moi, c'est pas que ça qui me drive. Moi, je ne suis pas payé sur les résultats financiers, etc. Mais admettons qu'il n'y ait que ça qui nous intéresse. Que l'argent. Parce qu'on veut engraisser nos actionnaires. C'est vrai. Est-ce que pour autant, on apporte une solution au problème actuel? Moi, j'ai bossé dans l'industrie pharma. On nous accusait d'avoir des médicaments beaucoup trop chers. En oncologie, par exemple, on a des thérapies à 5 000, 6 000, 7 000 balles par mois. Et on peut se dire, c'est dégueulasse, ils font du fric sur le dos des malades. Il n'en demeure pas moins qu'on produit de l'innovation thérapeutique et qu'on sauve des vies dans l'industrie pharma. Moi, si je pouvais faire la même chose dans le tabac, ben, j'en serais ravi. Donc voilà, ça ne plaît pas, mais c'est la vérité. Arrêtez, parce qu'on n'est pas. C'est sur le tout à vous. Let me say something, okay? Can we get the translation? Can I say something where you translate real quick, Jacques? If your company and Philip Morris and Altria believe in tobacco harm reduction, where are you in America right now? Why aren't you fighting the government that is killing this industry? Where are you? Where? No! No, you're bending over, you say, yeah, 21 and up, let's do whatever the government says. Eliminate flavors in America, your company and every other company. If you believe in tobacco harm reduction, why are you not fighting for me in America right now and everybody here? Woo! The question isn't it the tobacco industry that is actually causing a problem in the U.S.? If I believe they're behind it, if I believe that's good, because of their action. It's not one company that's causing the problem in America. Or inaction. Right. They're taking advantage of it, right? This is the perfect storm. Vapors are a bowling ball. And we're going down the bowling alley, and the pins, pharmaceutical companies, tobacco taxes, big tobacco profits, I can put them all in line. And as soon as this ball is coming down, all of a sudden now we found the one product that has nothing to do with us that everybody's taking advantage. I don't think it's big tobacco that's causing the problem, but they're certainly not helping the situation of where we are right now. J'ai le permis de vous répondre, monsieur, qui est très fier de faire de la réduction des risques, qui est très fier de fabriquer du tabac, qui est très fier de pouvoir dormir et être payé par le Big Tobacco. Le tabaco ici en France, là, depuis qu'on est là, il y a des gens qui sont morts. Le tabaco, tu vois, moi par exemple, ça a failli me coûter la vie. Et quand vous arrivez ici, même si je prends toute la hauteur nécessaire, d'accord, c'est un device, dans votre liquide, votre boîte, elle a dénigré pendant des années en nous disant que c'était pas la combustion le problème, que c'était la nicotine. Dans le film, c'est très bien décrit. Ils sont tous là sous serment et ils disent que ouais, le problème c'est la nicotine. Aujourd'hui, demain, vous rentrez dans le marché. Aujourd'hui, vous avez plein d'industriels, plein de fabricants de matériel qui essayent de sortir les produits les plus soft possibles.
Vous prenez, vous, là, devant tout le monde, l'engagement de faire des produits aussi clean? Nos produits sont fabriqués par pharmaceutique en Angleterre, etc. Donc on a tous les labels. Enfin, je veux dire, mais d'habitude, on nous accuse de vouloir mettre en place des règles, justement, qui sont trop élevées et qui risquent de tuer le marché. Alors que nous, on est plutôt favorable à, effectivement, des règles qui permettent de restaurer la confiance. Nous, c'est ce sur quoi on travaille. On n'est pas pour avoir des produits pourris qui vont faire peur aux gens. Après, là où je rejoins Sébastien, c'est que oui, quelque part, le fait que l'industrie du tabac soit active dans le milieu du vapotage, ça peut, sur certains aspects, effectivement, entraver le développement du vapotage parce que les gens, ça leur fait peur, ils disent « il y a du tobacco derrière », etc. En même temps, il y a aussi un autre effet, c'est tout le boulot qu'on est en train d'essayer de faire pour proposer un cadre réglementaire qui soit favorable à l'émergence de la catégorie. Donc ça va dans les deux sens. Oui, on crée de la suspicion, mais en même temps, on déploie beaucoup d'efforts. Par exemple, nous, on ne s'adresse pas forcément au même public. Quand tu prends un mec qui est dans un bureau de tabac, par exemple, qui va acheter son paquet de club, nous, on va lui proposer des petits produits comme ça, qui sont assez faciles à utiliser, avec des capsules. C'est pas la cible ici, c'est pas le public, mais c'est des gens qui, grâce à ça, vont plus facilement arrêter de fumer. Après, c'est des mecs, ils vont aller en vape shop, ils vont s'acheter des pot mobs, ils vont s'acheter des trucs beaucoup plus gros, ils vont s'acheter des liquides, et ils vont découvrir autre chose. Je pense qu'on est vachement complémentaires là-dedans. Mais nous, on connaît les consommateurs, on connaît les fumeurs. C'est notre quotidien, on les connaît les fumeurs. C'est que nous aussi, on les connaît les fumeurs. Et très bien. Mais c'est ceux qui ont poussé des boutiques, les portes des boutiques, c'est ceux, attends, j'en fais partie. C'est ceux qui sont venus dans cette industrie-là. Elle a été développée par des passionnés qui ont fait des produits méga propres, qui se mettent eux-mêmes une pression de dingue pour offrir aux vapoteurs le meilleur produit possible. Le fait que vous veniez là, effectivement, c'est juste très suspicieux et ça freine énormément. Ok ? Alors après, faut pas venir nous la faire genre, on arrive aujourd'hui, c'est la réduction des risques. Non, la réduction des risques, il y a longtemps, on savait. Vous aviez aussi bien les moyens de le faire, de le prendre. Et il n'y a pas plus de gens qui arrêtent dans un bureau tabac que maintenant, les mecs. Donc là, aujourd'hui, vous êtes là parce que vous avez vu que, comme disait très bien Dimitri, il y a une grosse bombe qui arrive, que là-haut, il y a Dakayas qui se perd et que vous n'en avez rien à foutre de sacrifier comme en Inde 900 000 personnes qui vont crever parce qu'on interdit la vape. Mais hey, on va où là? On marche sur quelle tête? On parle d'être humain, bordel. On parle pas d'autre chose. Donc si vous êtes aussi humain que ça, si vous êtes aussi clean que ça, au lieu de prendre, demande aux vapéuralistes de virer la carotte du tabac en France et de vendre de la vape. Bien sûr que je te rejoins qu'il y aura toujours des fumeurs. Personne n'est venu nous mettre un flingue pour commencer à fumer. D'accord? Mais aujourd'hui, on a des moyens de sortir les gens safe, faits par des passionnés, des gens qui le font propre. Qu'est-ce que vous venez vous inviter à la danse, gars? Ça marche, pourquoi voilà. Vous venez? Quand on t'explique qu'on soit qu'à 3 millions de vapoteurs en France, qu'on ait toujours une prévalence tabagique de 30%, qu'on est juste derrière la Bulgarie et juste derrière la Grèce au niveau de l'Union Européenne, ce qui n'est pas franchement un résultat super en matière de réduction de la prévalence tabagique, alors qu'en Angleterre, ils arrivent à diminuer la prévalence. Demande à nos gouvernements pourquoi ils n'ont pas poussé. Mais en Angleterre. Pourquoi ils n'écoutent pas les études? Moi, j'y travaille à ça, je t'assure. Mais en Angleterre, ils ont commencé en 1999. Ils ont commencé à 2000. Il y a eu le livre blanc en Angleterre et l'État a mis de l'argent pour que les gens arrêtent de fumer, ce qui n'a jamais été fait en France. On ne demande pas autre chose. Voilà. C'est ça la différence. Can I add something to you? Sure. I don't know what's going on, but I want to clarify something. You know, I'm an intelligent person. I'm a smart person. I don't have a problem with your product. Vype, Juul, harm reduction. Much better than cigarettes. I don't have a problem with your product. But I do have a problem with your strategy of using government regulation, government affairs to monopolize and be the only product on the market. That's what I have a problem with, okay? I believe in harm reduction. I don't believe in monopoly at all, especially when it comes to nicotine delivery. Alors, d'autres questions? D'autres commentaires? Bah, vous voyez. Bon, Jacques, je te laisse la conclusion, madame. Et... Catherine, tu as encore une petite question? Voilà quoi, moi je ne les crois plus, ils nous manquent depuis plus de 100 ans. Donc il peut venir, monsieur BAT, avec toutes ses bonnes idées, c'est même pas la peine de venir me voir après, on ne se croira pas. Je veux dire, moi je ne le crois plus, quoi. On m'a menti, j'ai trouvé trop de gens, à commencer par le père de mes enfants qui a décidé de la conscience de tout le monde.
Donc merde quoi, allez vous faire voir. Too many people have been deceived by the tobacco industry. Whatever they say, whatever they will do, there will be always this background behind, and those who save their life by switching to vaping don't want to go back buying something from the tobacco industry. You're absolutely right. There's a way to coexist. When I go talk to legislators in America, I never say anything bad about big tobacco. If they want to be on the market with a less harmful product, that's great. I just want to be able to compete. I want to be able to be in business and compete with them and every other person in here that started their business to help people quit smoking. They should be able to stay in business in order to compete with big tobacco. This is what we want. Even if we have the same products, let us be on the same playing field and let the consumer choose. Donc voilà, merci, thank you very much to all of you. Merci à tous les intervenants. Je vous souhaite à tous une bonne fin de salon, un bon retour dans vos entreprises, dans vos boutiques, avec la hargne, avec la pêche, pour aller chercher les fumeurs et continuer à faire le très très beau travail qu'est la vape. Il n'y a pas beaucoup de boulot où on peut sauver des vies tous les jours. Merci. Merci Jacques Loisec, on peut applaudir très fort. Merci à vous. Thank you very much for your warm visit. Merci pour vos questions, ces échanges. Bonne soirée à vous. Le salon est encore ouvert. Il ferme ses portes à 16h30. Donc ça vous laisse encore du temps pour discuter, échanger et bien sûr aller rendre visite à 270 exposants. Merci. Bonne soirée et à très vite. Ciao.